Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous à Radio Télévision Pacifique. Je vous dis, c'est un privilège pour nous rentrer la carreau. Dans le cadre d'émission Point par Point, nous connaissons qui passe chaque semaine sur antenne dans la Télévision Pacifique. Il y a une possibilité pour garder, essayer de comprendre un point d'actualité avec un spécialiste dans le domaine ou encore un acteur dans le domaine bien défini. Je vous dis, nous allons parler développement, nous allons parler économie. Nous gagnons avec nous sur le plateau. Un économiste qui est en même temps un spécialiste dans sa game pour avec question de développement dernière décennie qui passe là à savoir 2010-2019 jusqu'à 31 décembre pour rentrer dans nouvelle décennie ça qui c'est pour la décennie 2020-2030 là qui ça capable fait qui ça doit fait comment est-ce que acteur yo en chaîne économique là tu as supposé une essayer accorder avec l'autre une façon pour que nous capable gagner un pays qui riche un pays qui est sur route pour le développer par rapport avec l'objectif de développement et durable que nous connaissons, nous gagnons jusqu'en 2030 pour nous capables d'honorer. Mais maintenant, qui ça peut arriver, qui ça peut le dire, qui ça peut le faire? Est-ce que par rapport avec Jean Bralé, là, nous sommes capables de gagner espoir pour nous en des meilleurs? C'est tout élément ça que nous Bralé s'est gardé aujourd'hui avec invité nous, Rété Branché, Nantonin, tout de suite. Merci parce que nous toujours branché Télévision Pacifique et nous comptons rentrer la carrière aujourd'hui pour nous capables de porter pour émission. Et point par point, j'aime déjà annoncer déjà, matin, nous avons un privilège pour nous recevoir sur le plateau. Point par point, un ami, un camarade qui est économiste de formation, Benel Saint-Just, qui très bientôt aura animé une émission sur la chaîne 54, la Télévision Pacifique. Ce sera l'émission Opportunité, frère, comment ça va? Nous content et danger le fait que nous là je dis donc ça fait nous plaisir pour nous sous plateau pour nous venir faire une émission côté qui nous parler de développement économique mais tout n'a pas annoncé grand public là donc que nous saluer et très prochainement n'a bon émission sous télévision hein, c'est opportunité une émission pour permettre que nous non seulement faire nous comprendre qui ça économie comprendre qui ça développement mais tout rentrer dans la réalité puisque nous même en particulier que c'est artisan économique et développement. Nous sommes bien avant que nous rentrions dans le studio pour préparer l'émission, pour présenter l'émission. Nous nous présentons en tant qu'économiste, je suis spécialiste aussi en développement. Je suis spécialiste en développement dans le pays tant qu'en Haïti. Ça veut dire. Ah bon. Et moi, c'est Benel Saint-Just. Moi, j'ai une formation doctorale en développement international. Je suis également un économiste, mais tout moi c'est PDG par Odès Université, qui est un peu le monde qu'on est, qui retrouve l'IA PACO actuellement, oui, de la montagne et PACO, mais on a fait un logement tout petit, donc on a retrouvé nous dans l'avenir Christophe. Ça veut dire, science développement, les proches économiques. Mais il y a des gens qui disent en Haïti, qui ça veut dire que le monde comprend ce qui est le développement et puis le pays en Italie. Mais il faut que je dise qui côté grade ça sorti, effectivement, son science et de contre science, je étudie. Et après, je finis d'étudier, je fais expérience dans l'entreprise, je monte propre institution PAM, et là, dans le je monte propre programme, je montre l'État à partir de recherche scientifique. Mais comment on est capable maintenant de créer de nouveaux agents de développement pour nous permettre que viennent au service de collectivité, au service de pays? L'État accepte-t-il? Donc, nous mettons programme licence là-dedans. Eh bien, nous venons d'une formation. Hein? Donc, ça vient faire que nous portons appui dans ce sens-là. Donc, il vient faire que c'est une science qui allait au-delà de l'économie. Et c'est l'économie sur les années 50 qui parle de développement. L'économie vient tellement large, mais vous venez estimer qu'il faut nous couper. Il est trop large. Donc, il y a une bonne partie qui est économie pure, une autre qui c'est économie. Et c'est une raison qu'il faut appuyer généralement une économiste de la parler après approche développement l'IFEL. Qui donc, deux sciences censées dans le même espace, mais il y a une qui ont tigé aller au-delà de l'autre, qui c'est développement qui vient pas être tigant, puis devant dans ce sens-là. Mais maintenant, la question, c'est par rapport à la situation pays d'Haïti, je vous dis à là, il y a un spécialiste en développement, c'est un scientifique. C'est un scientifique. Et en tant que tel, je vous dis à là, comment trouver place dans le pays ça? Et mon place, je m'en vais dire prépondérante. La première chose, c'est que l'État, alors en réalité, dans l'aspect administratif d'abord, l'État accepte dans quel sens, il y a une capacité, et puis, il faut former les gens là-dedans,
gon université qui là pour ça. Non, là on pas été dans cadre formation. On a nous rentrer dans cadre terrain on y a. Terrain. Maintenant, souterrain on y a, qui est-ce moi? Eh bien souterrain, moi c'est un consultant. Donc me fait un peu d'intervention dans la radio, dans la télévision pour m'expliquer l'état haïtien, m'écouter, mais qui problème qui gagne à développement pays, mais ça qu'on fait. Mais qu'on y a, on va rappeler que moi pas un acteur en termes d'autorité maintenant. Oui, je suis d'accord et me voilà. Parler uniquement de vous-même en tant que tel, en tant que Benel Saint-Just, m'a parlé de préférence en tant que des spécialistes en développement. Qui je dis à dans un pays a par rapport à terrain concrètement qui ça au capable faire je dis à là. Concrètement ou proposer danger bon gros bagaille qu'on dit là qui pourra le permettre que avec toute humilité pour monde comprendre moi faut qu'Haïti développe il pas capable de développer et ceci li gon décennie pour le préparer décennie ça moi préparer moi-même pour me faire Haïti comprendre destin ça fait très souvent baf intervention dans la télévision pour la simple bonne raison on compte toujours estimer gon bagaille nous devons comprendre en économie davantage pour nous faire Haïti lui-même maîtriser ça relé la théorie des étapes de la croissance économique. Maintenant moi t'ai une étude qui me pour me faire après me faire me dit bon maintenant m'attaquer Haïti. M'a pas annoncé tout le monde que très bientôt dans 6 mois encore un peu monde comme ça n'a pas tant dit comme ça. Moi j'ai un livre qui titré stratégie de lutte contre la pauvreté en Haïti perspective de croissance et développement durable. Moi envie dit en tant qu'un homme de science en économie et en développement, même gens, télévision, ça allait exister pour tout le monde comprendre ça l'a fait en dans la société là, qui va le ajouter l'hypothèse, eh bien, m'bral fait moun garder développement Haïti dans meyo, comprendre ni et faire. C'est oui. Ça m'a fait. Mais développement ça, la passe qui côté, à travers qui secteur, est-ce qu'il y a des secteurs que déjà nous sommes capables d'identifier, que nous disons, écoute, voilà, et sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, mais ça nous peut le prioriser. Exactement. Et c'est qui ça, oui. Qu'on y a maintenant, c'est ça nous peut le parler tout. Là, nous entrons dans l'émission, nous peut le parler de ça, exactement. Perspective là, comment lier. Qu'on y a, lors du développement, on chaîne là-dedans. Ma foi, on va te barrer très rapidement. Quel que soit l'économie, ce qu'on prend. Ou dit comment pays a la bon bilan économique pays a la dou maintenant inflation la bon toute bagaille mais kou dit ça pour fait la dou maintenant les autorités ça veut dire développer un pays son processus de développement qu'il aime dit développement son processus tout le monde capte l'émission hein regardez bien pour nous regardez l'émission hein développement il d'abord un processus culturel il vient un processus développement politique il vient un processus développement administratif pour venir un processus développement économique, développement social, pour venir un autre processus développement durable. L'aime dit développement, moi dit environ 7 processus développement. Ça fait une. L'aime nous dit développement pays qu'on y a, gagne exactement aspect, étape évolution de croissance économique. Gardez bien pour nous. Si ou pas bon taux de croissance économique qui inclusif, qui pour permettre que sous chaque 10 ans au minimum ou réalisons une révolution, ou pas gagner ça, ou le développement pays. Moi-même, dans le cadre de travail, ça, moi, Abdiou, ensemble avec Appui Télé-Pacifique, nous pourrons offrir société à 6 mois un livre qui a marqué pour toute l'histoire. Parce que dans ce livre, n'importe qui qui pourra le garder, nous pouvons apprendre un petit peu par la mobilisation, la formation, apprendre ni comprendre qui ça développement pays, et comment pour développer. Donc, pas gagner qui n'a pas qu'à faire. Sinon que nous pas comment pour nous faire. On dit que une formation doctorale. Exactement. En développement. En développement là, international. Docteur Saint-Just. Docteur Saint-Just. Maintenant, par rapport avec Issa Kosso Diou là et Docteur Saint-Just, si n'a pas essayé garder n'a pas essayé comprendre, par exemple la République dominicaine, je vous dis là et on prend deux champs que mettez en pile accent sur lui qui c'est le tourisme et l'agriculture, il produit en pile d'ailleurs c'est au bon parce que tout ça là consommé à voir ici. Si ne prend par exemple tant qu'on pays tant qu'on et Rwanda qui décidait capitaliser sur un ou deux secteurs. Je dis à la par rapport avec ce développement qu'on a prôné, qui secteur dans le pays d'Haïti nous capable dire encore nous t'es doué favoriser durant la dernière décennie 2010-2019 pour nous rentrer en 2020 et pour nous aller en décennie et 2020-2030 là que ne pas favoriser. On allait rapidement sur un bagage. Gagne une matrice sur les FFPM. C'est force, faiblesse,
possibilité menace. Avec matrice ça, il est facile de faire diagnostic pays et présenter balé un plan. On regarde pour nous. Qui ça Haïti gagné jodi a qui capable force les technologie l'internet en particulier Haïti gagné une jeunesse. La jeunesse la plus dynamique dans le monde, Haïti gagne une jeunesse qui plus jeune au monde. Haïti gagne ça y aurait les un aspect géographique qui répond à ça y aurait le développement social. Mm-hmm. Position géographique nous fait que nous c'est une île. Mais maintenant l'autre quantité de kilomètres et plage que nous gagnons sont bagages extraordinaires. Haïti gagne encore histoire qui c'est une histoire qui plus riche dans toute histoire de l'humanité. Haïti représenté sur une base pyramidale, c'est un ensemble de tribus d'Afrique qui bat Haïti naissance. Mm-hmm. L'autre tête pyramide ça, il constitue Haïti. Là encore, on a possibilité géopolitique, Haïti retrouvé tout près des États-Unis. Mm-hmm. Tout ça a fait force Haïti. S'il est capable de mobiliser force, il est capable de développer. Maintenant, qu'est-ce qui fait faiblesse Haïti? Mauvaise gouvernance, aliénation culturelle, crise économique, crise politique, problème accroissement démographique inapproprié. Mm-hmm. Ça aussi, mm-hmm. ça nous gagne comme problème. À partir de éléments ça, il est facile pour nous qui ça nous gagne qui menace. Eh bien, nous gagne menace. Menace, c'est que nous sommes capables de vivre plus pauvres. Effectivement, mm-hmm. nous vivons plus pauvres. Étant donné que nous avons mauvaise gouvernance qui plane sur nous, nous vivons plus pauvres. Qui ça qui menace toujours? Eh bien, en dépit de ressources que nous gagnons, nous mal exploitons, et bien maintenant, mm-hmm. ça vient mettre le pays à côté de l'instabilité. Mm-hmm. Eh bien, qui ça qui menace toujours? Nous connaissons que Haïti, côté nous, il y a un pile cyclone et tremblement de terre, donc nous ne pouvons pas épargner de ça. Ça mm-hmm. c'est des menaces que oui. Mm-hmm. Maintenant, opportunité, c'est que encore, je dis, le pays a gagné Benel, il a gagné danger, il a un paquet de jeunes, il a un paquet de monde quand même qui était haïtien, il a encore gagné une société civile. À partir de éléments ça yo, on peut avoir le développement de ce pays. Kounia, en aller secteur. Bagala son question de marche et étape. Pas oublier que nous avons décennie 2010-2010. Exactement, nous pas rentrer là-dedans directement. Sous un tremblement de terre là qui censé bien paraître, il paraît 12 janvier 2010, li ouvre une décennie devant nous. Dégâts qu'elle fait yo dans l'économie hein. Il était évalué à environ 12 milliards de dollars, d'après Banque mondiale. Mais aussi, le président Préval à l'époque était dit 8 milliards. Mais si nous étions en données Banque mondiale et données BRH, Banque centrale, on était dans 12 milliards. Nous étions dans 12 milliards. Ça qui était dans nous pendant 2010, il y a un taux de croissance économique moins 5,5%. Donc, c'est normal, catastrophe naturelle. Mm-hmm. Opportunité, c'est que la diaspora est sensibilisée, que la communauté internationale est sensibilisée, ils ont injecté un pile d'argent dans le pays. Et depuis lors, leur premier transfert diaspora. Même si c'est à travers les ONG qui, d'une façon ou d'une autre, mal utilisé, ça prend la main gauche, qui passe la main droite. Jusqu'à présent, ça qu'on a parlé maintenant, il y a un problème que nous gagnons. C'est exactement la mauvaise gouvernance. Et nous allons expliquer ça. Nous allons l'expliquer. Oui. Nous allons conclure décennie. Nous allons voir que nous avons 72,6 milliards de dollars qui gaspillés dans l'intervalle. Ça. Mm-hmm. Sans compter comme. Comment y aurait les ministres? Sans compter les ministres qui viennent après. Sans compter. Mm-hmm. Sans compter. Nous avons prêté uniquement dans la catastrophe économique, catastrophe politique. On va aller rapide. Dans l'instabilité. Voilà. Mm-hmm. A, en 2011, nous avons fait un taux de croissance économique record. Depuis 1994, nous pas arrivé dans le niveau ça, record puisque nous passons à 5,5%. Donc, il y a un taux de croissance économique en 2011 qui est censé mettre nous dans le niveau les pays émergents, tant que République Dominicaine, tant que Rwanda, en 2011. Mais attention, son taux de croissance économique qui n'est pas inclusif. Il faut comprendre ça bien. Les croissances sont pas inclusives, les vrais disons bagaille, nous pas détruit l'inégalité. Or, nous avons une croissance économique, nous avons un secteur seulement. S'il n'y a pas de détruire l'inégalité, il n'y a pas aucun impact social. C'est une chose qui n'est pas censé maîtriser un pays. Mm-hmm. Donc, Liban, en 2012, il est passé à 2,8%. Taux de croissance. Non, il est chuté. Mm-hmm. Très bien, il est sorti dans 5,5%, il est chuté. Mais,
danger bon bagaille. Les croissances sont supérieures à 2 par rapport à accroissement démographique ou créer richesse. Est-ce que vous comprenez? Nous gagnons, nous produisons, permettez-moi expression ça, entre 1,5 à 2% par année. Nous font une croissance de 2,2% et là il y a voilà, y a ça c'est accroissement démographique. Ça dit nous moun n'a bay dans pays là 1,2% 1,5% pardon. Faut que nous créer richesse supérieure ou égale à 1,5% ou 2%. Ça veut dire tout taux de croissance économique pour Haïti qui 2% licencié ou créer autant de richesse qu'on créer moun. Faut toujours battre pour créer plus richesse que moun. Nous descendons à 2,8, mais quand même, qui était beau parce que nous sommes au-dessus de 2. En 2013, nous passons à 3,4%. Nous sommes encore dans cette décennie. Oui. Mais nous avons rappelé tout, mon paquet de l'argent qui a gaspillé. Fonds Petro Caribe. C'est IRH. Oui, ça, c'est des faits et des chiffres qui existaient et Benoît Saint-Just. Mais maintenant, ce que j'essaie de voir avec toi, par rapport avec le public noir qui a suivi nous là, c'est, par exemple, pour décennie 2010-2019, là. Par exemple, en deux décennies, qui secteur nous sommes capables de prioriser? C'est vrai que nous avons une liste de forces que nous gagnons, ou une liste de ça que nous gagnons comme faiblesse, et ou une liste tout de ça que nous gagnons comme menace. Maintenant, par rapport à ça que nous gagnons comme force, nous ne sommes pas capables de penser développement pendant que nous pouvons penser à tout net. Non. Maintenant, il faut que nous avons identifié une ou deux, au maximum trois. Pour nous dire que voilà par rapport à deux ou trois éléments ça qui ça n'a priorisé qu'on y a pour pays et c'est qui ça n'était supposé faire là que nous pas fait dans ça qu'on déjà identifié comme faiblesse comme force pardon ok qu'on y a danger ou juste à aimer que nous entrer directement entre 2020 à 2030 non on garde pour nous en 2010 2019 qui ça n'a raté nos machines là mais qui ça nous raté processus développement économique au lieu que nous sortions alors nous sortions en place dans le classement mondial là de 119e à 114e pays donc nous chutons. Est-ce que vous comprenez? Il y a de cela 10 ans nous étions parmi les 20 pays les plus pauvres au monde. Pendant décennies ça se passait là nous parmi les 14 pays les plus pauvres au monde. Donc Haïti est plus pauvre. Qui ça ne pas fait? Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a un pays pour nous diriger. Il y a un problème de blocage développement culturel qui vient maintenant affecter le développement politique. Nous. Tout ça vient faire que nous venons d'avoir une administration publique qui est extrêmement faible. Il n'y a aucun côté pour l'administration publique. Parce que c'est ça que vous comprenez. Même lorsque vous injectez l'argent dans le pays, le fait que l'administration publique est faible, le fait que tout projet d'investissement que nous gagnons, d'un bag en pile, sous 10 dernières années, l'État a dépensé 8 milliards de dollars pour budget de fonctionnement employé, alors que 2% allaient dans l'investissement. Ça qui arrive dans l'investissement qui arrive à moins, arrive à moins, comme si d'avait dit, pendant que l'État a fait payer employé, qu'on a maintenant pour mettre route, mettre l'électricité, bonne sécurité. L'hôpital, etc. L'hôpital, etc. 2% ça. Le fait que l'administration publique est faible, comme ça, c'est même autorité qui a campé dans la route dans le ministère, elle prend comme ça toujours. Faux contrat, mauvais investissement. Et mais tout ça vient faire que nous n'avons pas gagné une administration publique, même lorsque l'État arrive à faire un projet de développement, je dis, on est capable de poser des questions ça. Et dernièrement, le président Jovenel Baye, tout et Mirio, et ben, comme machine. Je veux dire, comment ça allait au pouvoir ou après que bon paquet qui commence à écraser. Parce que gagnent ont très mauvaise. Ça veut dire bon mauvaise gestion. Donc collectivité et administration publique là pas capable de gérer ça gagne en termes de ressources. Maintenant pour cela nous venons appauvrir. Mais là c'est juste. Est-ce que nous sommes capables de dire que la décennie 2010-2019 nous complètement raté en Haïti? Non, nous mourir d'ailleurs un bon classement mondial là. Donc pas nous pas faire aucune évolution économique qu'on y a. Aucun progrès sur aucun point. Progrès sur aucun point. Quelle que soit dimension en termes de développement humain, Haïti vient plus mal. En termes de liberté de la presse, plus ou moins, parfois, nous comptons monter, nous comptons descendre, mais c'est la même chose. Donc, quel que soit l'indicateur qu'on prend, nous n'avons pas grandi. Et là encore, sous décennie, ça, moi, je dis, quel que soit c'est au niveau du déficit de balance commerciale, quel que soit que maintenant c'est au niveau de l'argent diaspora, sous décennie qui a à peu près 20 milliards de dollars, tout comme ça, il est passé dans et
exportation. Donc on a rien et importation, pardon, importation. Donc c'est comme qui rentre dans l'économie et puis maintenant acheter bagaille qui vient de l'extérieur. Donc nous raté des seniors, qui ça fait ça? Bon, trois chiffres. Dans notre économie, tout comme toutes les économies à travers le monde, nous avons trois secteurs. En campé là pour nous rapidement. Trois secteurs. On a parlé maintenant du point de vue juridique. Secteur primaire, secondaire, tertiaire. C'est eux-mêmes qui fait que lorsqu'on parle de croissance économique, ou ont une idée pour comprendre mais comment on a évolué. Et mais regardez pour eux. Secteur primaire là, il représente aujourd'hui à 23% au niveau de richesse. Ça veut dire donc, l'opre maintenant, agriculture, pêche, élevage, nous créons seulement 23% de richesse dans le pays. Ça veut dire que un pays essentiellement agricole, un pays vers les années 1700, nous sommes parmi les premiers pays à travers le monde en termes de révolution agricole. Les maintenant, je dis à 23%, nous baissons considérablement. Pendant que nous baissons, au niveau maintenant du secteur secondaire, là, qui c'est industriel, nous représentons à peu près 18% de richesse. Lorsque le troisième secteur, là, qui c'est secteur tertiaire, là, nous créons maintenant 58% de richesse. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, attendez bien, ça va me dire. Gagner ça aurait une incompatibilité en termes d'évolution économique. Les secteurs tertiaires représentent plus richesse dans un pays où, au détriment de deux autres secteurs, Pierre-Richard, danger, vous n'allez rien faire en termes de progrès économique. Pour la simple bonne raison, les secteurs tertiaires en pays développés, il faut les développer à partir des capacités de l'autre premier secteur. Bon, clair pour nous comprendre. Sous chaque secteur tertiaire, c'est qui ça dit? C'est service. C'est télévision, etc. Je vais prendre un exemple à vous. Quantité de matériel que nous avons besoin dans la télévision ça pour nous fonctionner, regardez pour voir tout bien qu'on gagne dans la télévision, qui côté vous sortez. C'est à l'extérieur, c'est à sûr. À l'extérieur. Sous chaque 100 biens économie a gagné, 85% biens ça ressortit à l'extérieur. Mais base inflation, nous pas produit. Le fait qu'elle n'est pas produit, nous avons besoin de dollars pour nous l'acheter. Et bien chaque fois, demande-nous. Besoin de nous augmenter, demande de nous augmenter. Mais là, c'est dans qui secteur de cas produit là, selon même. Pierre-Richard. Jean Fouchard, inévitable, toute révolution, développement économique au pays, il commence par une révolution agricole bien intégrée. Donc, secteur porteur, développement pays, il doit commencer d'abord par le secteur agricole. Ça, mais est-ce que je dis là, les gens regardent Jean Moudlap évoluer, Jean Le Monde praler par rapport avec ça, demande de l'envie sur le marché international. Est-ce que nous sommes capables de baser toujours avec même flou ça pour nous dire que le développement économiquement est supposé passer et directement par le secteur agricole? Ok. On regarde pour nous. Par exemple, je vous dis là, il y a les nouvelles technologies, il y a l'informatique, il y a la communication. Okay. Mais maintenant, est-ce que nous continuons à baser, penser pour nous dire écoute, voilà, c'est le secteur agricole là, et encore, j'en ai fait dans le pays qui peut poser base maintenant, et développement. Maintenant, ce que je dis là, il y a notre bagage, il y a notre approche là-dedans. Mais ça qui est extrêmement important, on ne peut pas avoir de développement économique sans passer par l'agriculture. Bon, je dis un bagage qui est tout lui-même. Tu bailles dans sa théorie des étapes de la croissance économique. C'est là, si pendant des décennies que tu passé, en termes de théorie, en termes d'étapes de croissance économique, nous avons évolué, nous prêts pour nous attaquer en deuxième étape. Tendez bien. Première étape là, par jamais gagner une économie qui rive maintenant vers le progrès économique si il pas passé par sa relais évolution de yon société traditionnelle. Donc, dans cette société traditionnelle, pays toujours cherché maîtriser sa relais production agricole, pêche, élevage. Surtout, c'est force, si on parle comme si naturellement, nous joignons, nous uniquement besoin de canaliser. Yo di ou kounya, d'après Rosto, à partir des réflexions ça, n'a passé maintenant par une étape yo relé conditions préalables au décollage. Ça veut dire avant, tendez bien ça m'abdoula. Avant de rentrer dans ça yo relé développement industriel, faut me passer par agro-industrie.
sous rivé aux États-Unis ou rivé République dominicaine ou rivé en Chine et puis on a besoin ça aurait les productions agricoles répondre parce que c'est ça qui pour empêcher ou même ou acheter citron ou acheter poule ou acheter œufs vers le pays. Donc l'on mesure pour produire à ce niveau eh bien ou gon moyen qu'on a pour capter ça aurait les ressources yo. Et c'est ça qu'il faut éviter en dans économie là, le bagaille les infrastructures qu'on attend les dangers. Bon montre. Son l'autre angle n'a point République dominicaine. Son l'autre angle, les nous pour en termes de ressources ou capable faire équivalence. Par exemple, République dominicaine pas gain pétrole. Haïti pas gain pétrole. Même bagaille là. Deux pays ça a besoin à peu près 2 milliards de dollars. Pour importer pétrole dans le pays. Alors que Haïti, lui-même en particulier, il a besoin de 5 milliards de dollars par année pour lui importer marchandises, pendant qu'il exporte seulement pour 1 milliard. Déficit balance commerciale, non, 4 fois négatif totalement. Donc, il y a 4 fois plus. République dominicaine, il y a même problème. Non. Cependant, li stratégiquement pour créer équilibre à l'autre côté. Eh bien, si c'est pétrole m'a gagné, m'a gagné. Kale pour oui, m'a gagné pétrole m'a gagné. Eh bien, comme m'a voye acheter pétrole là, bénéfice à m'a investi dans le développement touristique. Eh bien, moi dépensé, République Dominicaine dépensé 2 milliards aussi pour l'entrée pétrole. Pendant que seulement dans le tourisme, il fait à peu près 8 milliards de dollars. Ça les... Là, bon côté, lui répond avec sa yorele et capacité de productivité pour empêcher que en dans l'économie il y ait inflation. Et c'est là que je vais parler avec vous et me poser des questions pour nous faire des choix qui sont beaucoup plus intelligents. Exactement. Par rapport avec les questions si là, même Jean Dominicain fait, même Jean Wanda fait et même Jean Pile l'autre pays dans la région, tant que la Jamaïque tout, il fait. Restez avec nous, je vous dis à la prochaine, Benel Saint-Just, on prend une courte pause, on retourne tout de suite. Merci parce que toujours été branché sous télévision Pacifique. N'a pas rappelé ou à suivre émission point par point. Et je vous dis à inviter nous. C'est Benel Saint-Just qui est économiste de formation et spécialiste en développement. Je vous dis avec l'APC, il y a des deux décennies, la décennie de 2010-2019 et 2020-2029. Avec l'APC, il y a des, mais là, nous faisons une partie qui pratiquement basée et sous question. Et décennie 2010-2019 là. Et selon l'information qu'on partage avec nous, c'est une décennie pratiquement ratée par Haïti. Je dis à la, et nous en 2020, décennie ça, qui ça selon même, 1, 2, 3, Benel Saint-Just, nous sommes capables de faire en tant que société pour ne pas dire qu'en 2029 ou en 2030, pas des jeunes qui pourraient aller en place ça, je dis à, et que pour parler de l'autre économiste qui pourraient le dire, c'est encore une décennie ratée. Ah oui! Question vraiment intelligente danger donc les vraiment intelligente et moins mêle pour capacité ça 2020-2029 alors pour nous dire tout le monde il permet il baille tout le monde doit ça leur parler de décennie il pas forcément 2010-2020 les 2010-2019 prochaine décennie c'est 2020-2029 est-ce que vous donc il permet ça qui véritable problème que nous gagne nous dès qu'à poser question ça ça nous gagne. Bon, disons bagay. Nous partons avec un vide institutionnel. Bonheur en 2020. Un vide institutionnel qui peut créer instabilité politique. Nous guettons là-dedans. Banque mondiale prévoit nous avons un taux de croissance économique de 0,2%. Ça que tu avais dit pour année ça. Sans compter ce que le pays parle encore. Alors, sans pas compter ce que le pays parle encore. Sans pas compter catastrophe naturelle qui va venir sur tout. Seulement, j'en ai là, tant que le pays a levé, j'en ai là. Nous vont se poser, nous venons activité nous pas qu'à créer richesse. Pour nous arriver même à 1%. Donc, année a déjà annoncé difficile. Mais encore, pas le 8 ans.
Oui, si nous mettons 2 ans et président Jovenel Moïse, qui est pratiquement capable de chambarder encore par rapport à la question crise, et si nous mettons 3 ans et opposition à parler, puis que vous même avez fait et transition, et nous avons sa transition, qu'on a déjà. Exactement. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Concrètement, nous avons 5 ans. Concrètement. Mais maintenant, c'est comment sauver ces 5 années. Ok. Là, on a parlé de 5 années, 2024, 2029. Là. Nous n'avons pas de gros problème nous gagnons aujourd'hui. Hein. Psychologiquement, nous bercés ou bien nous versés nous dans une aliénation culturelle. Nous pas fait l'autre confiance, nous pas qu'à chita ensemble, nous pas qu'à parler ensemble, nous pas qu'à diriger ensemble. Mm. Et ça fait, pas gagnons économiste qui cadre les carrières du problème économique pays. Il y a si politiquement problème pas résolu. Mm-hmm. Peu importe, j'en ai là, faut nous créer un espace. Koukou bam montre, haïtien pour un foyer, ma pour exemple un foyer avant, pour un foyer fait progrès, pour ti moun à l'école bien, pour bien manger, pour une télévision, pour entrer dans divertissement et ça peut ma moi pour un ti moun pour un peuple. Pour joindre ça yo, faut au départ. Moun ki fait foyer à papa, li te joine une fille. Faut le te garder fille a pour trouver qu'elle ou belle. Tu es charmante. Est-ce que c'est qui ça qui déclenche qui veut que dans la famille nous venons ingénieur qu'est-ce ou belle quand ils commencent mouais les mouais nous vous remèm nous venons nous construire une institution nous venons construire une institution qui des foyers ça vient une capacité maintenant pour nous produire tout le monde pour faire tout le monde vienne bien Haïti beaucoup c'est à dire moi-même avec Pierre et Danger Haïti beaucoup chita pour nous dire que moi qui est souillé mais côté nous sorti là ou et moyen question confiance c'est ça donc faut nous gon espace de productivité un espace de dialogue faut gon espace pour nous reconnaître l'autre pour nous regardez bien élément tout développement économique là et dans l'union fait la force chita oui ça veut dire que développement ça qu'on a parlé là il t'a supposé une sorte de un plan global mais national exactement et qui passait tout par des choix que nous pourrions faire au niveau des élections exactement ça veut dire moins bon garantie. Les économistes ne peuvent pas résoudre les problèmes économiques de ce pays si culturellement n'ont pas existé. Culturellement, et danger que l'on veuille ou non, il faut un chambardement pour nous chiter ensemble. Chambardement, vous dites qui ça? Que l'on veuille ou non, il faut qu'on bagaille qui passe. Ça veut dire qui ça? Qui est en cours 12 janvier pour nous chiter ensemble. Catastrophe naturelle, politique. Parce que c'est peut-être celle qui est capable de unir nous. Faut nous unir, nous pas mon peuple qui unit. Est-ce que nous obligés de vivre là? Parce que, écoute, nous pas obligés de vivre non? Parce que là, et ça qui est gardé pour nous, c'est par exemple, gagner des situations que nous vivons, c'est par rapport avec des choix que acteurs ont fait. Mais si acteurs, là, on a parlé d'acteurs politiques, si ils ont fait des choix beaucoup plus intelligents, nous pas trouver dans cette situation. Ça, voilà, écoutez maintenant. Les nous pas jamais voulu faire choix intelligents, ça y est, mais la nature a fait nous faire une fois. Comprenez bien. Parce que, gardez bien pour nous, ouais. Il y a un capitaine d'eau qui a dit, mais là, ce n'est pas du tout scientifique. Non, t'as dit, mais écoutez, la nature a fait nous faire choix. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? En tant que scientifique, ou pas ta carrière comme ça? Mais pour qui ça m'a comme ça? Nous ne pas avec les chita pour nous détruire l'inégalité dans le pays. Inégalité criante, ça, Haïti est devenu le pays le plus inégalité à travers le monde. Qui vient faire que, même si nous avons un danger pendant l'année, pour 2021, gon taux de croissance économique de 3%. Le moment de me faire analyse pour m'a pas pas inclusif. On ça veut dire ou pas retirer pauvio dans situation yo ya. Ou pas créer une base de croissance endogène pour yo. Moi même qui suis un entrepreneur pendant l'année dernière, me fait déficit dans entreprise qui évalue à plus de 12 millions de gourdes. Qu'on raison problème insécurité. Donc ça yo c'est lui-même au prime abord. Faut nous chita qu'on y a mais sur Julie l'anti mon rebelle ou parle avec il parle attendez c'est Carlo Carlo fait chita attendez et donc qui est capable de nous faire nous chita c'est la nature mais qu'on a si nous intelligent psychologue très critique et qui doit très critique avec ou par rapport non, à attendez déclaration ça mais qu'on a regardé pour nous à moins que attendez à moins que si ne pas de s'arriver nous va l'obliger chita pour nous dire que monsieur nous avons un pays nous gon pays moun yo a souffri moun ki pi mal yo dépend de nous
il nous faut une nouvelle classe. Là nous prend disposition pour nous diriger ensemble pour nous essayer couper ça aurait l'instabilité politique parce que l'on veut ou non pour aller plus problème dans le pays parce que nous gétons dans vide institutionnel. Si nous pas éviter ça yo, on ne peut pas avoir de développement économique. Donc maintenant pour un développement économique faut d'accord que c'est nous-mêmes qui dirigeants les protagonistes qui pour chita ensemble pour nous comprendre ensemble pour nous construire une démocratie ensemble pour dire bon maintenant mais qui choix qu'on a fait définitivement pour nous détruire corruption à partir d'un état égalien. Moi mais ça me comprend. Pour on ne peut pas avoir le développement dans un pays sans passer par un état régalien. Et comment on va avoir cet état régalien? L'état régalien il sortit à partir de nous-mêmes qui pensons l'état nous dit bon son l'état quoi chita maintenant sur justice, sécurité intérieure, sécurité extérieure et puis maintenant sur circulation de la monnaie. Si quatre conditions ça va pas réuni, l'état pas gain en prise dessus l'administration publique qui lui même pral garanti moi-même avoir vinn là en santé, bien travail, qui pral garanti productivité, qui pral garanti développement économique. Gardez pour son chaîne qu'il y est, son chaîne. Donc tout autant ça va pas fait population, hein, les mêmes si la frontière économique, c'est goumoua, fin frontière comme la jodi, ah, bandit prend l'amour demain si Dieu veut. Ou après chaque jour, bagaille parler de mal en pire, puisque au départ, nous pouvons jamais comprendre que nous avons une société à construire. Bagaille en pire, pour t'en parler, la nouvelle décennie, ou encore cette décennie-là, il a fini en 2029, voilà. Il prend l'abouti directement avec les ODD. Comment est-il qu'a trouvé là? Bon, je dis aux bagailles que Nations Unies attendent. Moi, d'ailleurs, je rappelle tout le monde que moi, j'ai une licence internationale en tant que responsable d'université, quel que soit colloque, forum international. Pour Haïti, c'est un invité Benel et je présente Haïti et je dis une petite histoire. Je suis un homme à l'université Yale en 2017 qui dit Nations Unies, je vais une réponse de Haïti quand même. Les 17 ODD qui sont une politique publique internationale de développement, ils n'ont pas gagné pour louer à la réalité haïtienne. L'autre dit zéro. Zéro faim, zéro pauvreté, éducation de qualité. Oui, ça c'est pareil qu'on dit pour des pays déjà qui gagnent ça aurait un standard. Mais maintenant, en termes de sociologie, de développement, si vous faites approche économie développement, il n'y a pas reflété problème Haïti. Du tout pas. Effectivement, ils sont pas nous qui dessinent la situation pays qui pauvre. Mais chaque pays sous la terre qui développe, processus de développement, ils sont pas nassés. Mais stratégie pour pas passer. Donc gagner stratégie ou passer pour développer un pays. Haïti raté les 8 objectifs millénaires pour le développement entre 2000 et 2015. Haïti va rater. Haïti ne peut pas être un pays émergent en 2030, ça n'existe pas. Oui, mais est-ce que ça pas qu'à stimuler nous à travailler et pour nous sortir d'un niveau que hier. L'État doit stimuler nous, même bien joli, stratégiquement non. Stratégiquement pour nous résoudre problème nous, c'est pas là pour nous passer. Donc et danger en va année à fini m'a bay haïtien réponse à clair dans mes propres pour nous œuvrer on ne peut pas comment pour un pays émergent il gagne dans les bien trois révolutions économiques pour le faire Haïti peut même capable chita pour le penser le voir pour ta faire première révolution hein, pour ta faire deuxième révolution hein, pour ta aboutir à ça relé émergent. Quelles sont ces trois révolutions économiques? Et maintenant la première révolution c'est ça relé maintenant la destruction de notre société traditionnelle. Nous sommes encore une société traditionnelle. Après une fin d'étude, là, prenons 10 ans. C'est là-dedans que nous faisons révolution agricole, nous, qui beaucoup fait, qui était fait, qui vient d'étude dans mes noms. Jusqu'à présent, là, ou quoi nos révolutions agricoles? Non, c'est là, attendez, c'est singulier. Bon, premier. Mais est-ce qu'on croit là-dedans? Non, mais c'est lié. Attendez bien, c'est ça, Haïti gagne comme force. Là où dit Haïti essentiellement agricole, il n'y a pas dit pays assez manger. Elle dit donc, riche. Terre même. C'est ça qui fait force Haïti. Donc, tenez bien, pour développer Haïti, je dis, il n'y a pas qu'à faire sans où. Où c'est force Haïti, c'est où est le danger Fouchard, où sont jeunes intellectuels. Donc, on ne peut pas développer Haïti sans vous. On ne peut pas développer Haïti sans la restructuration du développement agricole. C'est impossible. C'est ça le gain comme force. L'elfin gagne, il n'y a pas de bonne base. Il n'y a pas d'empêcher que jeune, mon apprenant radio, télévision, à parler d'entrepreneuriat, fait jeune maintenant et fait petite boutique. Non, et pas ça qu'entrepreneuriat. Entrepreneuriat maintenant, c'est fait. Sous là, on critique le programme Papel Président. Non, ça n'a pas là dans le danger. Ça n'a pas là dans le danger. Non, mais danger. C'est juste faire appel à vous. Non, oui, danger, attendez. Parce que là, j'ai fait petite boutique. Nous prenons Haïti. Nous bêtisons avec Haïti. Haïti a bêtisé avec nous en retour. Attendez bien.
Lorsqu'on parle d'entrepreneur, qui est l'entrepreneur? C'est un monde qui a une capacité pour innover. Innovation, vous innovez maintenant. Soit un produit là, en termes d'émissions, ou un produit, un bagage, comme vous avez dit, cette émission, son bagage, so, c'est pas de gagner pour te bali. C'est ça l'innovation. Mais prenons un monde, faire une bonne boutique pour la vendre maille, pas même maille, mais pour la vendre œufs, pour la vendre lettres et dominicaine. Ça, c'est un commerçant qu'on fait, et pas un entrepreneur. Ou à commencer à entrepreneur, c'est si le président te dit, monsieur, dans le développement agricole, nous prenons créer des nouvelles industries agroalimentaires avec des jeunes dans le domaine ça. Les ça, on t'a dit, bon, nous avons sorti de une société traditionnelle pour entrer dans les conditions au préalable au décollage. Regardez bien, pour me décoller un pays, pour me livrer un pays émergent, il faut me sortir dans l'étape 1 pour me passer dans l'agro-industrie. Lorsque le pays a maîtrisé l'agro-industrie, danger. Je vais garantir l'inflation va descendre pour contenir. Ce n'est pas le monde qui fait l'inflation dans le pays. C'est le mécanisme économique. Il suffit que l'agriculture a développé ou prend un jeune entrepreneur ou investit dans l'agro-industrie, ces gars doivent garder l'inflation baisser, la vie chère baisser pour contenir. Autrement dit, les deux conditions sont réunies, vous allez maintenant rentrer dans un pays qui pourra la troisième révolution économique li, qui c'est un pays émergent. Lorsque maintenant nous sommes capables de produire tout manger nous, la caille nous, ou bien ça n'est pas capable de produire, nous sommes capables de sans problème, nous vendre, nous faire équivalence. Lorsque maintenant, agro-industriellement, nous prenons, lorsque le pays a, on va parler de technologie dans l'air, lorsque nous sommes en mesure pour nous produire technologie à tout, ce n'est pas une technologie importée, nous sommes capables de produire technologie à. Nous empêcher secteur tertiaire là, tout ça, on micro nous avons fait dans le pays, nous avons fait un téléphone, ou elle, nous faisons technologie à venir la caille nous, tout, en tant que science. Eh bien, laisse ça, nous sommes capables d'entrer dans la quatrième étape de développement au pays, qui c'est la maturité. Même si nous avons un secteur tertiaire qui est développé, 85% bien en dans le secteur tertiaire, nous sommes capables dans le pays. Pas de jamais d'inflation en Haïti encore. Maintenant, l'inflation, ce n'est pas une volonté politique qui est liée. Ce n'est pas une volonté économique. C'est des préférences en politique économique. C'est politique publique de développement qui baisse ça. Bon, en tout cas, et puis, et pour nous finir, tout pays qui développe pour les États-Unis, il passe par quatre étapes ça. Dernière étape là, ça relève la société de consommation de masse. Tu as regardé une petite série avec moi. Et bien, dans la société de consommation de masse, on a pour le cinéma très présent parce que les mouvoyés, film Superman, pour regarder, on s'en fait psychologiquement la caillou, il fait qu'on a une folie américaine qu'on a. Le fait que la culture américaine en prend, et bien, ouais, je vais être là, ou toujours envie d'acheter produits à l'extérieur. En voilà. Tout cas, et nous avons plus bagarre pour nous, t'as dit malheureusement, et le aller contrôler, nous obligés à aller bien, c'est juste, mais nous croyons que moi-même, je crois que, je vous dis à là, nous avons besoin de faire des choix qui sont beaucoup plus intelligents. Exactement. Par rapport à ça que nous avons fait. Exactement. Pour décennie 2010-2019, et je vous dis à là, nous dans une nouvelle décennie, moi je crois que gagner de meilleures dispositions et de choix beaucoup plus intelligents qui pour faire par rapport avec toute autorité. Ou à gagner ou animer ou émission très bientôt sous télévision. Très bientôt. Émission aussi, opportunité. Là, commencer à partir de qui est. Et semaine prochaine, à partir de mardi, donc on croit que tout le monde qui est connecté avec nous sur Facebook, et après, il travaille là, mais on monte tout sous. Pourquoi opportunité? Parce que bon, paquet de bagages. Nous gagnons vrai, nous gaspillons, nous avons des moyens pour nous exploiter. La diaspora haïtienne suffit pour financer le développement Haïti. Il suffit que nous chitons ensemble. Et que nous bien orientés. Exactement. Merci à Pile Benel, c'est juste un plaisir pour nous dire la cause. C'est un plaisir, danger. Voilà, merci à toute l'équipe technique. Là, nous sommes contents avec vous aujourd'hui pour une émission vraiment animée sur l'économie. Nous avons regardé deux décennies, celle de 2010-2019 et celle de 2020-2029, qui ça a été capable d'attendre, comment est-ce que nous avons supposé faire par rapport aux choix politiques avec de meilleurs acteurs politiques, de meilleurs députés, sénateurs et un meilleur président, une façon pour que nous sommes capables de gagner un pays que nous tous souhaitons gagner. Merci avec nous toutes, on se croise la semaine prochaine pour une autre émission.